À présent, nous allons entamer la troisième partie, à savoir l'implémentation des programmes de paludisme pour un meilleur impact. Donc, nous allons entendre sur ces mots Dr. Rob Allister de Global Malaria Program de l'OMS, donc de l'Organisation mondiale de la santé, qui va s'exprimer sur l'atteinte des populations vulnérables. Dr. Rob Allister, vous avez la parole. Merci. Hello, my name is Alistair Robb and I work for the Global Malaria Programme in WHO. Thank you for inviting us to the CS4Me Annual Forum, an opportunity to discuss time to deliver zero malaria. We'll be looking at three I's: invest, innovate and implement. And we know the benefits of innovation as we have tools both to prevent and treat malaria. This has contributed to the 2 billion cases averted and 12 million lives saved over the last two decades. That's pretty impressive stuff. But that innovation will need to continue if we want to accelerate progress and achieve zero malaria. It's also interesting to note, or sobering to note, that every year 600,000 people lose their lives to a treatable and preventable illness. Many of those people are women and children in Africa. It's the most marginalized that are less able to protect themselves from the disease, more likely to suffer the consequences, and less able also to access quality services. That's why WHO is focusing this year's World Malaria Day on implement, the third I, an opportunity to make sure that the most marginalized populations also stand to benefit from the tools that we have today. First of all, we need to know who is missing out and the barriers they face. Why is it that a third of children with fever still don't access health services? What barriers are facing their mothers? Why is it that two-thirds of eligible women don't receive the medicine that would help protect them from malaria in pregnancy? Is it because of poor quality health services that are too expensive or too far away? Is it because of people's circumstance, the fact that they're poor, their gender, they're living in conflict? It's about all of these factors. And these factors require a political response. So it's good to know that our political leaders have signed up to universal health coverage, to leaving no one behind, and the Sustainable Development Goals. That needs to be accompanied by a vibrant civil society that holds leaders accountable, not just for the words, but for the action and resources necessary to strengthen the health systems and to address the broader determinants of disease. And what should be the vehicle we use to make change happen? I'd like to argue that primary health care is the way forward. Primary health care is about equity, social justice, and about solidarity. Specifically, it's about making services available as close to where people live and work. It's about addressing the determinants of disease, and it's about community engagement. Community engagement is going to be critically important in the malaria response and critically important in leaving no one behind. It's communities who know who is missing out in their own local environment and have the experiential knowledge to overcome the challenges. Primary healthcare is a priority of the Director General of WHO. He would like to see health systems reorientated towards primary healthcare. And as a malaria community, we need to maintain a strong focus on a disease that robs the lives of too many people, undermines people's livelihoods, and disrupts economies. But the solution to the problem isn't a vertical disease solution. It's one that embraces primary healthcare, a
as an opportunity to work with people for people and to leave no one behind. Thank you. Merci beaucoup, Dr. Rob Alister, sur votre intervention qui est très, très importante et qui nous a vraiment édifiés. Nous allons maintenant passer à la présentation suivante qui est de Madame Jeanne Deuve, qui nous vient de l'initiative France. Elle est de formation scientifique et après 10 ans de recherche entre l'Afrique du Sud et la France, Madame Jeanne s'est investie dans la coordination de projets de recherche d'information à fort impact dans la santé publique dans le Centre Pasteur de Network dans un premier temps. Et en été 2021, elle a donc rejoint l'équipe de l'initiative Expertise France qui est mobilisée dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Et elle coordonne l'animation et la valorisation scientifique. Donc, Madame Jeanne va s'exprimer aujourd'hui sur la chimioprévention du paludisme saisonnier après 10 ans de stratégie. Où en sommes-nous aujourd'hui? Bonjour à tous, donc je suis Jeanne Deuve, je travaille à l'initiative Expertise France. Je vous remercie pour l'invitation d'aujourd'hui à votre réunion. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de parler de la CPS, 10 ans de stratégie, où en sommes-nous aujourd'hui? Avant toute chose, j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant de vous rappeler brièvement qui nous sommes à l'initiative. Donc, on est une facilité française mise en œuvre par Expertise France de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Nous sommes complémentaires du Fonds mondial. On est un bailleur, on apporte une assistance technique et des appuis financiers catalytiques aux pays récipiendaires du Fonds mondial. Notre mission, c'est de contribuer au renforcement des systèmes de santé et à la mobilisation contre les pandémies, en soutien et en complémentarité aux missions du Fonds mondial. Nos modalités d'action, vous les connaissez peut-être, donc on finance via notre canal expertise des expertises techniques à la demande tout au long de l'année. On finance aussi des projets via notre canal projet. Donc là, on a des appels à projets réguliers qui s'ouvrent tous les ans en décembre. On en a 3 qui s'ouvrent en même temps. Un sur le renforcement des systèmes de santé, un autre sur l'accès aux soins des populations vulnérables, et puis un autre de recherche opérationnelle, dont la thématique change tous les ans. Et d'ailleurs, cette année, l'appel à projet recherche opérationnelle porté sur la prévention du paludisme. Et puis enfin, on a un troisième canal, ici, qui s'appelle canal pilote, qui vient de changer de nom, qui s'appelle en réalité le canal accélérateur. Et sur ce canal, en fait, on finance des appuis assez stratégiques qui ne peuvent pas être financés ni par le canal expertise ni par le canal pilote. Quant aux pays éligibles de l'initiative, voilà la liste des 40 pays qui sont éligibles. Donc toutes ces informations sont disponibles sur le site de l'initiative. Alors, la CPS, 10 ans de stratégie, où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, il y a 10 ans, ou presque 10 ans, OMS 2012, la recommandation de la CPS sortait. Elle a été mise à jour 10 ans plus tard. Donc, je vais vous la lire rapidement. Mais donc, la CPS en 2012, elle était recommandée dans les zones de forte transmission saisonnière, dans toute la sous-région du Sahel. Un cycle de traitement complet par de la SP lamodiaquine devait être administré à des enfants âgés de 3 à 59 mois à intervalle d'un mois à partir du début de la saison de transmission jusqu'à un maximum de 4 cycles pendant la saison de haute transmission. Désormais, la recommandation mise à jour en 2022 se lit ainsi: dans les zones de transmission saisonnière du palu, les enfants appartenant au groupe d'âge à haut risque de palu grave doivent recevoir des médicaments antipaludiques pendant les pics de transmission. Donc, derrière cette apparente simplification, se niche en fait le souhait d'octroyer, de donner plus de flexibilité aux pays, afin qu'ils adaptent leur stratégie au contexte épidémiologique local. Donc, la CPS n'a pas dit son dernier mot. Il est nécessaire de la reconfigurer, voire de l'intensifier, pour répondre aux enjeux diversifiés des pays les plus lourdement frappés par le paludisme.
Donc, je vous propose de regarder ensemble certains aspects de la recommandation de la CPS et de voir comment ils permettent, en étant reconfigurés, en étant intensifiés, comment ils permettent tout simplement de tirer plus de bénéfices de la CPS. Donc d'abord, l'âge cible, il y a 10 ans, on parlait des enfants âgés de 3 à 59 mois. Désormais, sont ciblés les groupes d'âge à haut risque. En fait, les enquêtes de routine ont révélé que dans les ménages, la CPS, elle était administrée aux enfants de plus de 59 mois, avec des résultats positifs en termes de morbidité ou de mortalité. Je vous ai mis l'exemple de deux pays, le Sénégal déjà. Au Sénégal, donc un avantage substantiel de la CPS chez les enfants âgés de 5 à 9 ans a été observé en termes de réduction de la prévalence de la parasitémie et de l'anémie. Et d'ailleurs, au Sénégal, dans les recommandations nationales, la CPS est recommandée aux enfants âgés de 3 mois à 10 ans. Au Mali aussi, tout ça, ce sont des résultats qui sont publiés, on a noté une réduction significative de 40% de la prévalence de la parasitémie chez les enfants de 5 à 9 ans. Et donc, ces pistes, elles prouvent déjà que la persistance de l'efficacité de la CPS au-delà de 5 ans, et elles permettent d'envisager, d'alléger de façon générale le poids du paludisme pédiatrique. Un deuxième aspect, c'est la durée du traitement. Donc, il y a 10 ans, dans la recommandation, on parlait de maximum de 4 cycles de CPS. Désormais, on parle, c'est écrit, pendant les pics de transmission. Donc, ces nouvelles recommandations, elles ne mettent plus de limite au nombre de mois à couvrir avec la CPS. Et ça, c'est pour tenir compte notamment de la variation annuelle du moment exact du début de la saison de transmission. D'une année à l'autre, la saison de transmission ne commence pas au même moment et ne dure pas la même durée. Il est modélisé qu'environ 20 millions d'enfants vivant dans des zones où un cinquième mois de CPS, ces 20 millions d'enfants, couvriraient plus de 10% du fardeau annuel. Donc désormais, la CPS, elle doit être administrée pendant la saison de transmission du palu, sans définir le nombre spécifique de cycles mensuels. Un troisième aspect, c'est la zone géographique. Et disons, il était écrit, la zone ciblée, c'était les zones de forte transmission saisonnière dans toute la sous-région du Sahel. Désormais, on parle de zone de transmission saisonnière du paludisme. Donc, des pays d'autres parties de l'Afrique qui présentent des variations saisonnières importantes de la charge palustre, sans forcément tomber à zéro entre deux saisons, ces pays pourraient également bénéficier de la CPS. Et là, je vous ai mis à l'écran l'exemple du Mozambique, où des essais préliminaires dans un district ont en effet montré, certes la faisabilité et l'acceptabilité, mais aussi une réduction de 80% des cas de paludisme avec de la CPS à base de SP amodiaquine. Donc, je vous ai mis qu'il y a une phase 2 en cours qui va un petit peu approfondir le sujet. Un quatrième aspect, c'est celui des résistances. Donc, il y a 10 ans, il était écrit, la CPS, c'était la SP et la modiaquine ou la SPAC, à condition que les deux médicaments conservent une efficacité antipaludique suffisante. Désormais, on parle tout simplement de médicaments antipaludiques. Donc, en raison des inquiétudes suscitées par la résistance des parasites à la SP et à la modiaquine, que ce soit en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud australe, eh bien, c'était la région du Sahel qui était prioritaire pour la CPS à base de SP amodiaquine. Mais en fait, le lien entre résistance et efficacité n'est pas si simple. D'ailleurs, en Ouganda, c'est l'exemple que je vous ai mis à l'écran, où la SP n'est plus utilisée pour traiter le palu, en raison de résistance, il y a une étude qui a été menée dans deux districts sur 85 000 enfants âgés de 3 à 59 mois, CPS pendant 5 cycles, évidemment délivrés par la communauté. Donc CPS à base de SP amodiaquine. Et là, on a noté la faisabilité, l'acceptabilité. Il y avait également des indications que l'intervention était efficace dans la prévention des cas de palud chez les enfants ciblés. Donc je l'ai mis entre guillemets parce que cependant il reste nécessaire de générer des preuves solides de l'efficacité en utilisant des plans d'études appropriés. C'est le cas, il y a un essai en cours en Ouganda où là on est élargi à 8 districts, on passe à 270 000 enfants, 3 à 59 mois, 5 cycles, distribution communautaire. Et dans cet essai, on va comparer
l'ASPA modiakine versus la dihydroartémisinine piperaquine, sachant que l'ADP, elle est utilisée comme traitement de deuxième intention hein, pour le PALU, sans compliquer le PALU simple, elle est très efficace et très sûre. Et donc, en effet, il est nécessaire, grâce à cet essai, d'explorer plus avant si la CPS, en utilisant la SPA-modiakine, elle peut fournir un effet protecteur soutenu et prolongé contre le paludisme dans un contexte de résistance des parasites, c'est-à-dire voir si ça dure 28 jours, cette couverture, et quel est l'impact des résistances, on sait qu'elles sont là, sur cette protection. Donc, en effet, la CPS, elle peut être envisagée à base de SP ou d'autres molécules. De toute façon, il faut procéder en produisant de la preuve scientifique qui va ensuite alimenter les recommandations et permettre de faire de la CPS sur mesure. Donc, j'ai voulu vous rappeler que la CPS est un traitement qui fonctionne, qui n'a pas dit son dernier mot, dont le potentiel demeure. Je vous ai parlé de différentes approches, justement, hein, pour améliorer le potentiel de la CPS. On a parlé de la cible, de la zone géographique, de la durée du traitement, des résistances. Il y a évidemment aussi la question de la distribution de la CPS. Est-ce qu'il est possible de recourir davantage à une CPS dispensée en établissement de santé ou par le biais d'acteurs communautaires de proximité? Est-ce que la CPS pourrait-elle être liée à d'autres consultations de santé comme la vaccination, la nutrition, la santé scolaire? Dans le cadre d'une distribution communautaire, est-ce qu'on va envisager la livraison en point fixe ou alors du porte-à-porte? En tout cas, les expériences nous montrent que différentes réponses seront choisies par les pays afin de répondre à différentes réalités. Bon, j'espère vous avoir convaincu ou rappelé, hein, que le potentiel de la CPS demeure très important, qu'il n'est pas pleinement exploité, que c'est une intervention efficace qui devrait de façon urgente et coordonnée passer à l'échelle là où ce n'est pas encore le cas. Et à ce titre, il apparaît nécessaire de renforcer, c'est ce que j'ai mis au centre de ce schéma, de renforcer la mobilisation communautaire auprès des populations concernées, au sein des familles, dans tous les pays concernés. Parce qu'il y a fort à parier que le recours à la CPS, il augmenterait si la demande émanait également de la communauté. Parce que certes, les recommandations de l'OMS ou nationales, elles sont indispensables, mais elles ne suffisent pas à faire évoluer les pratiques au plus près des individus. Enfin, aussi efficace et prometteuse que soit la CPS, et afin de décupler son impact, elle doit être pensée, la CPS, de façon concomitante avec le reste de la palette d'outils de lutte contre le paludisme, que ce soit les MILDA, les pulvérisations intradomiciliaires, les traitements, le vaccin, le RTSS aujourd'hui, peut-être le R21 demain. Donc, seule une stratégie de prévention combinée et articulée pourra durablement faire reculer le paludisme dans le monde. Enfin, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça a été, ça a permis de construire une note d'orientation que vous pouvez trouver sur le site de l'initiative. On a fait aussi une autre note d'orientation quand le vaccin contre le PALU est sorti. Donc voilà, si ce format vous intéresse, je vous encourage à les consulter. Et puis, je vous remercie pour votre attention et je reste à disposition pour toutes questions. Merci. Merci énormément, Madame Jeanne Deuve, par rapport à votre intervention qui nous a beaucoup mieux édifié. Saisonnière du paludisme, donc c'est-à-dire la CPS. Nous allons maintenant partir du côté de l'Afrique avec Monsieur Hamza Djibo. Monsieur Hamza Djibo est un acteur de la société civile dans le secteur de la santé au Niger. Il est bien connu en Afrique francophone par son activisme dans le droit à la santé. Il est également le directeur exécutif de l'ONG Escavi, veut dire éducation, santé et amélioration de cadre de vie. Il est le lead group thématique de gouvernance de la coordination de la plateforme de la démocratie sanitaire et de l'implication citoyenne des ICI Niger, qui est une plateforme. Il est également speaker francophone et formateur régional Afrique francophone sur la couverture de santé universelle et également point focal au Niger pour le programme Joint Learning Agenda.
Par ailleurs, il accompagne le programme régional d'Afrique francophone CRG, Fonds mondial, logé par le RAM au Burkina Faso en tant qu'assistant technique projet. Il a une très bonne maîtrise du processus des subventions du Fonds mondial et il est spécialisé également dans l'engagement communautaire, le plaidoyer, la communication pour un changement de comportement dans le domaine de la santé. Monsieur Djibo a plusieurs certificats de formation. Il a pu bénéficier de formations en plaidoyer professionnel à destination de la société civile pour la mobilisation des ressources domestiques en faveur de la santé contre le paludisme, délivré par Impact Santé Afrique et l'Atelier des luttes. Il a participé également à la formation des formateurs pays sur le financement de santé et la couverture universelle délivrée également par Impact Santé Afrique. Alors, nous aurons l'énorme honneur d'avoir l'intervention de Monsieur Hamza Djibo qui va s'exprimer sur comment est-ce que le suivi communautaire change la donne dans les zones de conflit. À vous. Alors, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Hamza Djibo. Je suis le directeur exécutif de l'ONG Éducation, Santé et Amélioration du Cadre de Vie, ESCAVI, du Niger. Je suis en même temps membre de la plateforme Démocratie sanitaire et implication citoyenne. C'est le cadre unitaire des organisations de la société civile actives dans le cadre de la santé au Niger. Alors, aujourd'hui, je voulais m'entretenir avec vous sur la thématique du suivi communautaire et plus précisément sur comment ce suivi communautaire-là change-t-il la donne dans les zones de conflit. Comme vous le savez, au Niger, nous sommes un pays qui est en fait affecté par la situation sécuritaire, notamment au niveau de la région de Tillabéri. Alors, les informations générales sur cette zone de conflit. Et premièrement, comme vous le savez, on appelle ça zone de trois frontières. C'est la frontière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et cette zone est caractérisée par un niveau élevé de violence, surtout envers les civils. Et cette situation sécuritaire continue de se dégrader depuis le début de l'année 2023, ce qui occasionne d'importants mouvements de population dans cette région-là. Et notamment aussi la région frontalière à la région de Tillabéri, qui est celle de Tawa. Alors, selon le rapport de OCHA, OCHA, c'est l'organisme qui s'occupe du recensement des personnes déplacées au Niger. Dans son rapport de mars 2023, il fait état de plus de 20 000 personnes qui ont fui leur domicile entre janvier et février 2023 pour se réfugier dans des endroits plus ou moins sûrs. Donc, au niveau des sites d'accueil de Gotey, et c'est dans la région de Tillabéri, on note un besoin énorme, en tout cas, de ces populations-là, dans les secteurs de la santé, de la sécurité alimentaire, de la protection des abris et de l'éducation. Vous avez quelques images ici, du site, notamment au niveau de Torodi, où vous avez les communautés, vous voyez comment elles vivent. Elles sont comme ça, à l'air libre pratiquement. Et tout le quotidien s'est fait dans cet espace-là. Vous voyez, c'est sous des arbres. Vous avez aussi une autre image d'une jeune fille, vous voyez son visage qui vient d'atterrir ou d'aller de venir de s'installer au niveau du site de Gotey. Vous voyez la situation, elle est vraiment suffisamment alarmante, pardon. Alors, cette situation-là met effectivement ces PDI-là dans des situations où ils sont pratiquement, ils ne sont pas pris en charge de manière systématique. Du fait de la non-disponibilité des informations les concernant. En fait, les agents de public nous disent que quand ils viennent, ils prennent beaucoup plus de temps pour avoir les informations disponibles et pouvoir organiser en fait la prise en charge au niveau de ces déplacés-là, notamment par rapport à la santé. D'autre part aussi, c'est que ces populations, comme elles sont, quand elles viennent, le temps qu'on les passe recenser et autres là, et on constate que ces populations-là ont un accès limité ou même inéquitable aux services de base, notamment aux espaces publics, aux moyens de subsistance, ce qui entraîne des frustrations au niveau de ces communautés et peut même être des sources de tensions au sein des communautés. Et c'est pourquoi notre organisation ESCAVI a décidé d'initier des actions
et ces actions-là en faveur de ces réfugiés internes de la localité de Gotey, qui semblent être les plus délaissés en concertation avec les districts sanitaires et les autorités administratives de la localité. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de mettre en place un dispositif de suivi communautaire qui se focalise sur trois points essentiels. Le premier point, c'est que nous identifions et nous recrutons des relais communautaires locaux et des représentants des personnes déplacées internes, c'est ça PDI. Et une fois que ces relais communautaires et ces déplacés internes identifiés, nous procédons à leur formation et un certain nombre de thématiques, notamment les thématiques sur le PALU, la prévention du paludisme, les droits humains, la question aussi d'accès aux services de santé, les droits des personnes déplacées et réfugiées. Et nous mettons en place un stock de MILDA au niveau de Gotey pour répondre instantanément aux besoins des déplacés et réfugiés qui se présentent au niveau de la localité. Alors, une fois ce dispositif mis en place, quel changement ce dispositif-là a-t-il apporté effectivement au niveau de la prise en charge de ces personnes déplacées et réfugiées? Le premier changement, c'est que le dispositif de suivi communautaire a permis un recensement systématique des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans et la mise à disposition de la liste-là au niveau des centres de santé pour faciliter le premier accueil en cas de maladie, surtout le paludisme, pour minimiser la discrimination. Vous savez, quand ils viennent, parfois, les communautés autochtones disent que non, ils sont venus, alors que la planification initiale qu'on avait faite de nos entrants, ça ne prenait pas en compte ces personnes déplacées réfugiées. Alors, quand il y a ce recensement systématique, ça permet aux centres de santé de se préparer pour faire face, effectivement, aux besoins de ces personnes déplacées le plus tôt possible, dans un court temps. L'autre aspect aussi, c'est l'organisation des sessions de sensibilisation sur les mesures de prévention du paludisme, les genres et droits humains, spécifiquement sur le droit aussi des personnes déplacées réfugiées et aussi des distributions de MILDA aux ménages sur les sites d'accueil. Et troisième point essentiel du changement, c'est le recensement systématique et l'accompagnement surtout des cas présumés de PALU au niveau des centres de santé par le relais communautaire pour leur faciliter le premier contact avec les agents de santé. Et enfin, ce dispositif nous a permis d'avoir un plaidoyer auprès des décideurs pour prendre en charge les gaps en entrant de lutte contre le paludisme causé par le flux de ces personnes déplacées et réfugiées. Et nous avons aussi une remontée systématique aux autorités sanitaires par les canaux de ces relais, de ces dispositifs de suivi communautaire, des informations sur le paludisme au sein des personnes déplacées et réfugiées pour des mesures urgentes à prendre. Donc c'est ça vraiment les points essentiels sur lesquels ce changement-là a été apporté. Et aujourd'hui, en tout cas au niveau du site de Gotey, ce dispositif marche normalement et ça permet effectivement de prendre en charge systématiquement les personnes qui se présentent parce que c'est au jour le jour. Chaque jour, parfois, les déplacés viennent. Vous avez ici quelques images au niveau de ces sites d'intervention où nous avons fait une distribution aux ménages des déplacés à 125 ménages. Et parmi ces 125 ménages, nous avons identifié 30 femmes enceintes qui ont bénéficié de ces MILDA-là. Donc, vous avez l'énoncement de cette distribution-là par le maire de la commune de Gotey, à la première image à gauche. Et à la deuxième image, vous avez des femmes enceintes, effectivement, qui sont des personnes déplacées, qui bénéficient de ces MILDA. Vous avez aussi quelques images de sensibilisation sur le paludisme, notamment l'utilisation de correcte des MILDA, parce que si on distribue des MILDA, on essaie de les sensibiliser pour que, effectivement, ces personnes déplacées, réfugiées puissent effectivement utiliser ces MILDA correctement et pouvoir aussi connaître les signes du paludisme pour qu'en cas de signes du paludisme, que ces cas présumés-là puissent être systématiquement, signalés aux acteurs de suivi et communautaire pour qu'eux, à leur tour, ils puissent les référer au niveau des centres de santé. Nous avons aussi des sensibilisations sur la propriété du milieu, l'hygiène et l'assainissement. Comme vous le savez, vous avez vu la première image. Ces personnes-là vivent pratiquement ensemble, presque vraiment dans un espace très, très limité. Et donc, du coup, la question de l'assainissement se pose. Et s'il n'y a pas d'assainissement, si l'endroit est impropre, c'est effectivement le lieu de prolifération des moustiques. Donc, c'est une des thématiques comme ça que nous mettons en œuvre, que nous faisons pour qu'effectivement ces populations déplacées, réfugiées, puissent être suffisamment prise en charge et de manière systématique par rapport à la lutte contre le paludisme. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que je voudrais brièvement partager avec vous par rapport donc, à la prise en charge de ces personnes déplacées-là
notamment à travers le suivi communautaire, en quoi ce suivi-là permet effectivement de prendre en charge de manière systématique ces personnes déplacées, réfugiées au niveau des sites de beauté. Merci de votre aimable attention. Nous allons partir du côté de la République démocratique du Congo avec Dr Albert Kalondji. Il est docteur en médecine, en maîtrise de la santé publique. Il dispose de plus de 25 ans d'expérience en santé publique à tous les niveaux du système de santé national, provincial et en périphérie, avec une expertise bien particulière dans les domaines de soins de santé primaire, de la santé maternelle et infantile, du paludisme, du VIH et de la planification familiale, du management de la santé, du service des familles et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et médicaments des produits et de santé. Il est également manager des projets du développement international certifié avec plus de 18 ans d'expérience de gestion de projets complexes d'aide au développement portant sur une gamme variée de programmes de santé publique, y compris les soins de santé primaire, le contrôle des maladies, le renforcement des systèmes de santé. Depuis plus de 10 ans, il est également directeur technique de Sanru. Il est en charge de l'ensemble du portefeuille de Sanru, comprenant 15 projets complexes de santé publique, couvrant l'ensemble de la République démocratique du Congo, dont la subvention du paludisme du Fonds mondial. Docteur Albert Kalondji, la question est la suivante. Pourquoi accroître les actions et la couverture des agents de santé communautaire? Je suis Dr Albert Kalondji, directeur technique des Sanru ASBL en République démocratique du Congo. Sanru ASBL, c'est une organisation locale en RDC qui met en œuvre plusieurs projets, dont le plus grand projet de lutte contre le paludisme avec le financement du Fonds mondial, le projet qui couvre près de 322 zones de santé pour les activités de routine et presque toutes les zones de santé pour les activités des campagnes de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Pourquoi faut-il augmenter le nombre des agents communautaires dans la lutte contre les paludismes et, disons, dans la marche vers la CSU? Aujourd'hui, il est démontré que les agents de santé communautaire interviennent plus efficacement lorsqu'ils sont formés et sauvent énormément de vies. Dans le déploiement et la mise en place de ces sites de soins communautaires, nous travaillons en étroite collaboration avec les différentes communautés ou avec les différents villages, notamment les communautés qui sont au-delà des 5 km des centres de santé. Le processus s'est fait de manière très participative pour sélectionner les relais communautaires des sites de soins. Ces relais sont ensuite formés, et ça c'est la partie la plus importante. Ils subissent une formation et il y a des visites post-formation qui se font pour assurer qu'ils sont en train d'offrir des prestations de qualité au niveau de la communauté. Parce que ça, c'était l'une des critiques vis-à-vis des relais, c'était la crainte par rapport à la qualité. Mais il est démontré aujourd'hui que si ces relais sont formés, si ces relais sont suivis, s'il y a un mécanisme de référence et contre-référence qui est mis en place, ces relais peuvent rendre énormément de services. Donc, il est temps aujourd'hui d'investir non seulement dans leur formation, non seulement dans la sélection et la mise en place des sites de soins, mais aussi l'acheminement des produits de santé au niveau de ces sites de soins, mais surtout dans la supervision et l'accompagnement de ces relais. Nous ne faisons que revenir sur un des concepts clés des soins de santé primaires, c'était la participation des bénéficiaires. Notre organisation, Sanru, sa vision, c'est santé pour tous et par tous. Et là, nous rentrons, c'est vraiment la partie par tous, parce qu'on ne peut pas aller vers les CSU que nous appelons de tous nos voeux
et le renforcement du système de santé quand les bénéficiaires eux-mêmes ne sont pas impliqués dans la planification et dans la mise en œuvre des interventions de santé. Nous avons mené quelques activités sur terrain ici en RDC, notamment dans le déploiement des sites de soins communautaires dans le cadre de lutte contre le paludisme. Des sites de soins où sont les agents de santé qui prestent, qui font les tests diagnostiques rapides et qui traitent des cas de paludisme. En très peu de temps, nous avons pu récupérer, surtout entre les enfants, plus d'1 300 000 d'enfants qui ont été soignés à travers les sites de soins. C'est-à-dire qu'ils ont été testés et ils ont été traités. Et ça fait presque une performance, quand on prend toute la performance de formation sanitaire et de l'ensemble du pays, donc la contribution de ces agents a été presque de 10%. C'est énorme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous ces enfants, lorsque ces sites n'étaient pas déployés dans les pays, tous ces enfants, peut-être qu'on les manquait. C'était des occasions manquées. Donc, ça, ce ne sont que quelques chiffres. Je sais que dans la littérature aujourd'hui, il y a beaucoup de chiffres qui démontrent très clairement la pertinence et même l'intérêt, l'importance de déployer des agents de santé communautaires sur terrain pour couvrir les gaps qui existent aujourd'hui en termes de ressources, en ressources humaines, en santé. Donc, c'est la meilleure solution quand on considère également comment la population de l'Afrique est en train d'augmenter. Avec la démographie dans nos pays, vous le savez, d'ici 2050, la population, par exemple, de la RDC va doubler. Mais c'est sûr, il est sûr et certain que le personnel en santé ne va pas suivre, surtout les qualités. D'abord, sur le plan géographique, c'est un grand pays. Malheureusement, avec des moyens de communication très, très limités. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de villages, de zones qui sont très éloignées et qui n'ont pas accès aux services de santé. Et même la planification et la location des ressources de santé, c'est fait pas de manière assez équitable, ce qui crée encore ou qui enfonce le fossé en termes d'inégalité sociale. Donc, nous pensons que le déploiement des relais pourrait être un élément moteur pour couvrir ces fossés qui existent en termes d'égalité sociale. Mais aussi aujourd'hui, quand nous mettons en place les sites de soins communautaires, malgré que nous avons pris une distance de 5 km, c'est-à-dire la population qui est au-delà des 5 km de la formation sanitaire, mais on réalise que même ces relais-là, les deux relais que nous avons par site, n'arrivent pas à couvrir tous les villages qui sont tout autour parce que, en fait, les 5 km sont théoriques, mais autour, il y a énormément de villages et les besoins sont énormes. Et donc, il faut de plus en plus de relais qui soient plus proches de la communauté. Le résultat qu'on a aujourd'hui, on a montré qu'il y a encore des efforts à fournir. Mais c'est un grand espoir pour nous, pour dire, pour en voyant que ces relais apportent réellement un soulagement au niveau de la population et complètent les systèmes de santé, complètent les formations sanitaires, parce qu'ils contribuent aux performances des formations sanitaires. Il est très, très clairement démontré qu'aujourd'hui, ces groupes de prestataires sont complémentaires et importants pour renforcer, contribuer au renforcement du système, pour contribuer aux performances globales du système de santé. Et que l'on quitte un peu, qu'il y ait un changement des paradigmes selon lesquels on pensait, quand on parle système de santé, on pousse un peu au loin les acteurs au niveau communautaire. Et aujourd'hui, on ne peut rien faire sans compter avec ces relais communautaires et avec ces prestataires communautaires. Donc, c'est le moment pour qu'on investisse, pour que les bailleurs, que les communautés, que nos gouvernements investissent dans les agents de santé communautaires pour justement arriver à couvrir le plus grand nombre de nos populations qui, du reste, sont dans des milieux qui sont inaccessibles, mais aussi pour réduire les inégalités. Vous voulez la promotion communautaire et les activités, les interventions des agents communautaires, c'est une réponse efficace contre les inégalités sociales en santé.
Nous encourageons cela. Les chiffres que nous avons donnés, ça c'est un chiffre que nous avons nous-mêmes expérimenté. Et nous continuons à déployer des sites de soins communautaires dans l'ensemble du pays. Actuellement, on est à près de 10 000 sites et nous pensons qu'avec le programme de lutte contre le paludisme et les autres partenaires qui sont impliqués dans ce processus, nous pourrons étendre encore davantage. Ce n'est que de cette façon-là qu'on pourrait arriver réellement à avoir zéro paludisme. Aujourd'hui, l'une des faiblesses ou des contraintes, si vous voulez, par rapport à la mise en œuvre de cette approche des agents communautaires, c'est qu'ils sont dépendants des subventions des bailleurs. Mais comment nous allons assurer la pérennité, si vous voulez, de cette approche dans l'avenir? Et il est temps de faire appel à tout un chacun, au gouvernement, aux bailleurs et à tout le monde pour voir comment on pourrait mettre en place des stratégies qui soient pérennes, mais qui permettent à ces agents de santé communautaire de continuer à fonctionner et de se déployer davantage pour réduire encore davantage les distances qu'il y a entre les communautés et ces prestataires de soins au niveau communautaire. Nous partons à présent du côté du Cameroun avec le professeur Charles Wandji, qui travaille au sein du Centre de recherche des maladies infectieuses. Charles Wandji est professeur de génétique et de biologie des vecteurs à la Liverpool School of Tropical Medicine au Royaume-Uni et Wellcome Trust Senior Research Fellow. Il est le directeur exécutif du Centre de recherche des maladies infectieuses, le CRID, au Cameroun. Ses recherches visent à utiliser des données génétiques et génomiques pour caractériser les populations de moustiques et des parasites et aider à maximiser leur contrôle. Il se concentre particulièrement sur la compréhension de la base génétique de la résistance aux insecticides et les médicaments en détectant les marqueurs de résistance moléculaire à l'aide d'outils génomiques, voire génétiques, et en concevant des tests moléculaires appropriés pour suivre la résistance dans les populations sur le terrain afin d'évaluer leur impact sur les interventions de contrôle et optimiser les stratégies de contrôle grâce à la modélisation. Il est le terrain de plusieurs recherches africaines, à savoir Wellcome Trust, Delta, NIH, FLAIR. Il est membre des comités de lutte antivectorielle de l'OMS, du comité consultatif scientifique externe de l'ESAC et de l'IVCC et de plusieurs comités et consortiums de recherche internationaux. Professeur Charles Wandji, la résistance à l'artémycine, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quels sont les défis et les mesures à prendre dans la lutte contre le paludisme? I'm Charles Wandji from the Center for Research in Infectious Diseases, CRID, in Cameroon, and the Liverpool School of Tropical Medicine in UK. I'll be talking to you about the artemisinin resistance, what we need to know, the challenges and the actions that we need to take in the fight against malaria. There has been a significant reduction in malaria burdens in the past 15 years or so, and this has been caused by the implementation of key interventions, including having a better diagnostic, having a new combination of drug therapies, having insecticides-based interventions such as bed nets and indoor residual spraying. What I would like to focus my talk on is the role of artemisinin-based combination therapies, which have been really critical in also reducing that burden I mentioned earlier. These ACTs are recommended by WHO as the first and second line treatment for uncomplicated cases of P. falciparum malaria. They combine an artemisinin derivative plus a partner drug. The artemisinin derivative role is to reduce the number of parasites in the patient in the first 3 days, and then the partner drug's role is to eliminate the remaining parasites. And as I mentioned earlier again, ACT is really because they have been easily accessible in malaria endemic countries, including Africa. They have played a significant role in the remarkable success in reducing malaria burden in the past 15 years. However, and there is a big however, there has been report
of resistance since 2009, starting with the Greater Mekong subregion, where it was detected in local parasite populations. And later on, the genetic basis of this resistance was explained, showing that the resistance was conferred by specific mutations occurring in the gene called K13 propeller. And that was a significant progress because it means that resistance could now be detected and monitored. So what we need to bear in mind, nevertheless, before we even go further into detail, is that we are still talking only about partial resistance, not the complete resistance. And this is because the resistance that has been observed is a delay in the clearance of the malaria parasite in the bloodstream following treatment with an ACTs. And this delay clearance will make the ACTs less effective to clear all the parasites within that 3 days period. And therefore, because the current artemisinin resistance is only affecting one stage of the parasite cycle, we call that the ring stage, is therefore only a partial resistance. And it is time limited and only one stage is concerned. We still don't know whether this current partial resistance will later on evolve to affect other stages, which we therefore confer a full resistance. And at the moment, such full resistance has not been seen in the field. But good news we can say is that so far, even when we are dealing with partial resistant plasmodium strains, they are still being clear in the patients, particularly when the partner drugs remains efficacious. Going back now to the case of artemisinin resistance in Africa, the first report on Africa was this work done in Rwanda in Nature, published in Nature Medicine in 2020, showing clearly that some local population of Plasmodium falciparum had developed specific mutations in the same genes called KELCH13, and it was detected after screening field populations, and it was even shown by performing in the lab some what we call functional validation that the parasites harboring the mutant alleles were able to actually have a greater survival after a specific test was done in the lab that we call ring stage survival assay. And that specific allele was also seen in the past in the greater Mekong region, leading to the question whether it came from Southeast Asia or not. And to answer that question, what they did was to actually sequence the KELCH13 genes. Actually, when they did that in various locations, they showed that the Rwandan samples were clustering together, forming a same lineage. And when they compared that lineage to that found in Southeast Asia, that clearly showed that it was different. Therefore, we were dealing with a case of a novel allele, emerging allele, local to Rwanda. Later on, 2021, in New England Journal of Medicine, a work was published for a study performed in Uganda, particularly northern Uganda, where they screen local Plasmodium falciparum strains, and they did a lot of work analysis, lab analysis, showing that clearly there was also a longer time for parasite clearance in certain patients in northern Uganda, and they sequenced the same gene, showing that those having a longer clearance had a specific allele, which was far predominant in those having a longer clearance time. And when they also did some lab tests that we call ring stage assay, survival assay, they noticed that those surviving more were harboring this new allele, showing that it was clearly linked with partial resistance to artemisinin in northern Uganda. What they were able also to do was to even look at the temporal pattern from 2015 to 2019, whether this new allele was actually increasing frequency. And yes, they clearly established that because that particular resistant allele year after year is increasing frequency as a sign that it's been selected
in the field, particularly by the pressure of the usage of the drugs. But what about other locations in Africa? Another study published in InLife, screening many countries, showed that overall, Plasmodium falciparum population remains susceptible, with a susceptible wild-type allele being far predominant. But there are certain mutants being detected, although the role of some these mutants have not been validated, and more work needs to be done. And that's why we shouldn't be complacent, and further studies are needed. What about Rwanda? The work done there did indeed confirm the presence of the resistant allele there. What could be causing this partial resistance? I think there are potential, clearly potential reasons, such as the one highlighted by WHO. It could be because we have a poor treatment practice in the field. It could be that there's inadequate patient adherence. People are not following the instructions when prescribed anti-malaria regimens. It could be there's a widespread availability of oral artemisinin-based monotherapies and or substandard forms of the drugs. All these can be combining to actually select particular strains of parasites which are able to be resistant to ACT. So we need to be careful of following the exact procedures. How, therefore, should we act to tackle artemisinin resistance in Africa? WHO outline clear actions that could be taken, including the need and even urgent needs to really provide support to improve the resistance detection. Either the phenotypic, the genotypic surveillance needs to be done better to map the extent of this partial resistance in the field. That's actually why WHO launched end of 2022 a new strategy related for a better response to the anti-malaria drug resistance in Africa. What are the actions suggested? Tracking the spread of resistance more efficiently, identifying the population most at risk, and developing viable alternative treatments. And Africa CDC also is doing capacity building to improve malaria surveillance, in particular the genomic surveillance. But there are other challenges. Drug resistance is not the only thing. We have diagnostic resistance, insecticide resistance. We have the invasion of new species that may increase the malaria risk in urban settings. We need to be careful about that. The good news is that we have, for the vector control, new nets with new insecticides, and we need to use them because they've been shown to be more efficient in the field. But we need to be watchful too. Insecticide resistance may occur as well. So we need, as we close, to continue monitoring ACT efficacy in order to detect resistance early and to better manage it. That's why the strategies for WHO, Africa CDC needs to be implemented, but we need to be careful about other challenges, as we highlighted insecticide resistance and others. We need to do that to achieve a greater reduction of malaria burdens. So hopefully we stop there and take more questions if there are any. Thank you very much. Merci, professeur, pour votre intervention. Merci énormément. Nous passons maintenant à la dernière présentation et non des moindres. Nous avons l'honneur de recevoir Madame Sharon Ann Lynch, qui nous vient du Global Health Policy and Politics Initiative de l'Université de Georgetown. Sharon Ann Lynch est une chercheuse principale au sein de l'initiative Global Health Policy and Politics de ONU Institute for National and Global Health Law de l'Université de Georgetown. Elle est également Senior Visiting Fellow au Yale Global Health Justice Partnership. Avant de rejoindre Georgetown, Sharon Ann a travaillé pendant 15 ans pour Médecins sans frontières, dont 4 ans dans les projets VIH et tuberculose de Médecins sans frontières en Afrique australe, en tant que conseillère principale en matière de politique VIH et tuberculose de la campagne d'accès de MSF, Médecins sans frontières. Au cours de ces 20 dernières années dans le domaine de la santé mondiale, Sharon Ann a engagé des gouvernements nationaux, des donateurs bilatéraux et multilatéraux, des sociétés pharmaceutiques, des sociétés du diagnostic et d'autres acteurs de la santé mondiale pour améliorer la gouvernance mondiale de la santé et réaliser l'objectif d'un accès équitable et durable aux innovations médicales. Madame Sharon Ann Lynch, les anticorps monoclonaux,
Une révolution dans le traitement du paludisme? Hi everyone, my name is Sharon Ann Lynch and I'll be talking to you today about monoclonal antibodies for malaria prevention. Monoclonal antibodies are a type of biologic drug. Biologics are produced in or derived from living cells. They consist of proteins and or nucleic acid. Now, antibodies are a type of protein generated by the immune system. The difference here is that monoclonal antibodies are given to someone in order to trigger their immune system. Biologics as a category of medicine are increasingly important in fighting disease, partly because they have a high specificity. They are able to do very specific targeting in the body. And the generic equivalent of biologics are biosimilars. So just as we have generic drugs today, there are biosimilars to biologics. For vaccine prevention, WHO convened a number of experts because they saw the need to outline what are the preferred product characteristics, given the promising area that MABs represented for malaria chemoprevention. A number of MABs for malaria prevention are being developed now by three entities, the National Institutes of Health at the US, the Gates Foundation, and PATH working with GSK and others. Presently, the NIH study of two MABs is the most advanced. That trial has already established proof of concept that MABs can protect against malaria for a period of 6 months. Thankfully, and of course more research can be done, but it appears from the research that MABs can provide an instant dose of protection. More research is underway. This slide is too detailed to follow at this time, but please try to look at it later as it has some of the important findings from the NIH trials that essentially show proof of concept. The MABs for malaria currently in development represent the first MABs that have been developed not with a high-income country market in mind, and also the first MABs in development that rely on government and philanthropic funding. Because of these two things, we can expect and demand the following, that research and development with needs of low and middle income countries in mind be developed for more diseases. This means that they should be affordable, suitable, and adaptable, including for low cost production in low and middle income countries. Also, that the malaria MABs, once and hopefully will be proven effective, could be an opportunity to expand and develop manufacturing capacity. And that manufacturing capacity can be brought to bear for malaria to make these MABs, as well as MABs across different diseases. Unfortunately, regarding MABs that already exist to treat cancer, to treat a number of NCDs, to treat some infectious disease, access is so poor outside of high-income country markets. So 80% of sales of MABs are concentrated in high-income countries. Right now, Africa, for example, comprises an average of around 1% of total global sales of MABs.
comes to MABS. MABS are the most expensive drugs out there, but they don't have to be. However, they are still going to be expensive, more expensive than the small molecule drugs such as ARVs to make. That's why we need to work now to make sure that MABS, obviously for malaria prevention, but also across diseases, must be made affordably. Malaria chemo prevention. We must work now to build access into the innovation plan. So the role of MABS could be for, it could be clear, for especially for underserved populations without access to the four-dose vaccines and other prevention services. There need to be coordinated R&D efforts. With three MABS products in development and potentially approved and available in the coming years, this is a key opportunity for coordination across actors so that time is not wasted, so that efficiencies are gained, so that researchers can learn from each other and apply those lessons. And finally, given the fact that government is footing the bill for the development, in addition to the philanthropic funding, we must demand that the malaria MABS be considered a public good. That means being available to those who need it. So we need to ask, what will be the patent policy? What will be the licensing policy? Can they be made in low and middle income countries? What will be the pricing policy? Will they be priced as affordably as possible, as close to the cost of manufacturing as possible? Again, any MAB for malaria can be a potential catalyst that could bring about affordable manufacturing, affordable MABs for the treatment of other infectious diseases, for the prevention of infectious diseases, and as well for non-communicable diseases, including those that are available now, but unfortunately, painfully out of reach. What this means is we need an innovation and research agenda to develop optimal MABs that are suitable for use in low and middle income countries, but also affordable to make. Now, to achieve these goals, strong advocacy efforts are needed now, both to raise awareness of the public health benefits of MABs that are available, to explore innovative low-cost manufacturing options, and to make sure that there's investment in local production and the promise of regional local production. I want to thank the organizers and thank you so much for your time and consideration. Merci beaucoup, Madame Sharonan Lynch, pour votre intervention qui nous a vraiment beaucoup mieux édifiés par rapport aux anticorps monoclonaux. Merci énormément. Ce fut un plaisir pour moi d'animer ce panel. J'espère qu'il en est de même pour vous, que vous en avez appris énormément. Nous passons à la suite. Bonjour à tout le monde. Nous remercions tous les participants qui sont connectés ce jour pour le CSMI Annual Forum de la version de l'année 2023. Nous avons ce jour un panel de discussion où nous retrouvons des leaders de la société civile africaine qui vont nous édifier sur la contribution de la société civile dans le processus de développement de la norme conceptuelle par le 10-17 dans les pays respectifs. Donc, dans ce panel, nous avons M. Ayo de Akomino Nigeria, Mme Gisèle Takaleya de la plateforme des OFC par le 19 VIH et de tuberculose du côté de la Côte d'Ivoire, Pasteur Premier Claude de la plateforme des organisations et associations de lutte contre le paludisme au Congo-Brazzaville, et le Dr. Hachem Daya de Hakoj en RDC. Donc, ces leaders nous ont donné de leur temps aujourd'hui afin de pouvoir nous édifier à travers les échanges, à travers les partages d'expérience sur comment la société civile
peut contribuer de manière optimale, de manière significative, dans le processus d'élaboration de notre concepteur paludisme du CCV. Le processus qui est en cours depuis la fin de l'année dernière dans plusieurs pays qui ressemblent à la subvention du Fonds mondial. Sans plus tarder, on va passer la parole aux différents panélistes, en débutant par M. Ayo. Please, Mr. Ayo, the first question is following. What were the main challenges that civil society organizations faced during the Windows 1 GC7 process in your country? You have the floor. Thank you. Thank you very much, Fidel and colleagues. We had five major challenges. One has to do with the large size of the country. We had to harvest the challenges and the statistics state and the federal capital territory. The second one is the large number of member organizations of ACOMIN. We have more than 1,000 members who are registered CSOs. So harmonizing the views and the opinions of those 1,000 was the challenge. In line with the large number of states and the large number of the NGOs, diversity of needs and priorities, because the priorities of the NGOs also are related to the cultures, the traditions, and the local issues that the NGOs have to deal with. Yet all of this had to be harmonized and brought up programmatically to fit into the context. That was a challenge. And then also being able to represent the communities and the community and the civil society organizations, because within the civil society there is also diversity, the faith-based, the youth, the women groups, the vulnerable groups, etc. That diversity, which is a strength, also presented as a challenge. And the last one is the shortage of time that Nigeria had to submit, because we were in the fourth window. And we had national elections within that time period, which meant about 2-3 weeks before we were restricted in the time that was available. These are the five major challenges we have to deal with. Thank you. Thank you so much, Mr. Ayo. It's wonderful that the different challenges that you are faced during the process. C'est vrai que ce n'était pas évident pour le Nigeria, qui est d'abord un grand pays, qui a dû faire face d'abord à la taille de son pays, au nombre de populations à prendre en compte dans le cadre du procédé du CCVN, ainsi qu'au nombre très élevé de membres de la société civile. Donc il fallait remonter les réclamations, remonter les évidences fournies par ces OSC et les prendre en compte dans l'élaboration conceptuelle. Un autre aspect qui a été soulevé par M. Ayo, c'est la durée de temps limitée. Le Nigeria fait partie des pays qui ont soumis la note conceptuelle lors du 20 mars, dans la fenêtre 1, et il n'était pas évident pour ce grand pays de pouvoir travailler de manière optimale. Toutefois, malgré les différentes contraintes, ils ont réussi à produire une note conceptuelle de qualité qui a été soumise au Fonds mondial dans les délais impartis. Donc, nous félicitons la société civile du Nigeria et ACOMIN en tant que leader de la société civile paludisme Nigeria pour le travail effectué. Et nous allons directement passer à Mme Gisèle Takaleya sur la même question. Gisèle, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux défis auxquels la société civile et le paludisme du côté de la Côte d'Ivoire a dû faire face durant le processus GC7, vous, dont le pays a également soumis à notre conceptuel, vraiment. Donc, Gisèle, à toi la parole. Merci. Merci beaucoup, Fidel. Merci à CS for me de me donner la parole pour vraiment parler de nos défis par rapport à la réalisation de notre conceptuel. Notre premier défi, c'est de maîtriser l'agenda final de la rédaction. Parce qu'il y a un agenda que le CCM a nous envoyé, mais il y avait un autre agenda que les programmes ont planifié. Mais il fallait maîtriser ces deux programmes-là. Il fallait maîtriser ces deux agendas pour pouvoir participer à la rédaction de notre conception.
Maintenant, la deuxième chose, le deuxième défi, c'est quoi? C'est qu'il faut participer en nombre suffisant. Je parle de la société civile quand je dis participer. Parce que c'est une ou deux personnes souvent, les programmes choisissent pour aller participer. Alors qu'une ou deux personnes ne sont pas représentatives. Parce qu'il peut y avoir des comités, il peut y avoir des différents comités. Et la seule personne ne peut pas être dans tous les comités. Et même si elle est dans un comité, elle est la seule à parler. Qui va parler? Donc, il faut partir en nombre suffisant. Le troisième défi, c'est le choix des représentants qualifiés. C'est très, très important. Il faut prendre des gens qualifiés, des experts, si on peut le dire. Parce que je sais que parmi la société civile ivoirienne, il y a des experts. Tout ça, partout dans le monde, il y a des experts parmi nous. Parce qu'il y a des gens qui connaissent la matière et qui ont des choses à prouver, qui ont des choses à donner. Donc, il y a ce choix-là qui est très important. Et puis, le quatrième défi, c'est quoi? C'est que quand il faut les choisir, les gens qui s'en vont, il faut effectivement qu'ils assistent à tout le processus du début jusqu'à la fin. Parce que souvent, vous pouvez aller de 8 heures et puis finir à 18 heures. Mais après 18 heures, les programmes viennent encore travailler. Il faut que tu sois là pour travailler. Pourquoi il faut suivre du début jusqu'à la fin. Et comme je le dis, pour pouvoir surmonter ce défi, il faut avoir un point focal au niveau des programmes avec qui vous communiquez souvent, que tu puisses maîtriser l'agenda. Parce que les programmes ont un autre agenda. On a vu ça ici. Où on était en train de... je crois qu'on était à mission de consultation et on nous a dit que c'est deux jours, non, un jour après qu'ils allaient commencer à faire la validation d'un nom conceptuel. On était obligé, heureusement qu'on a fini, on avait déjà fini. Donc, quand on est arrivé net, directement, on s'est rendu là-bas. On a écrit notre document, on a fait une certaine activité prioritaire. On a envoyé à tous les VC qui étaient présents là-bas, au CCM, au PNLP, aux différentes parties prenantes. Et nous-mêmes, on s'est rendu là-bas. Donc, c'est très, très, très important d'avoir un point focal et de maîtriser l'agenda. Maintenant, comme je l'ai dit, hein, un nombre suffisant. Parce qu'il faut que vous soyez deux ou trois personnes dans les comités. Que vous puissiez échanger entre vous. C'est important. Tu échanges. Voilà l'activité que je veux qu'on mette dedans. Et vous êtes deux ou trois, vous pouvez booster, vous pouvez vraiment influencer pour pouvoir mettre vos activités dans les notes conceptuelles. Maintenant, moi, j'avais demandé d'abord, par rapport aux missions de consultation, j'avais demandé aux OSC de s'inviter à l'atelier. Invitez-vous à l'atelier. Vous n'avez pas besoin qu'on vous appelle. Parce que si c'est ça, on va rester en arrière. Donc, invitez-vous. Venez chercher des choses et des appuis et invitez-vous. Et vraiment, je veux dire merci à cette formie qui a fait un travail énorme, qui a permis quand même un homme important de la société civile d'être présent. Moi-même, j'étais là-bas. J'étais là-bas du début jusqu'à la fin. J'étais obligé de rester. Je suis revenu, mais je suis reparti pour accompagner les autres. Donc, ceux qui ont continué. Donc, ça fait que maintenant, 6 personnes, mais 11 personnes, en tout cas au niveau de jeu, plus de 11 personnes au niveau de l'agression dans notre conceptuel palu. Ça, c'était vraiment apprécié. Ce civil était là-bas. Et puis, comme je l'ai dit aussi, le choix est très important. On a demandé au président de choisir des personnes qualifiées, des experts pour participer à cette note conceptuelle. Des gens qui vont contribuer, des gens qui seront là jusqu'à minuit, jusqu'à 1h du matin, il faut des gens comme ça, compétents, qui soient là, et des experts qualifiés. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que je peux dire. Merci Fidel, merci à tous. Nous retenons surtout l'importance d'avoir des personnes qualifiées qui puissent être à même de répondre aux attentes de ce type d'exercice, de ce type de processus, comme ceux initiés à l'endroit de la demande de financement pour la subvention du Fonds mondial, et surtout d'être présent, d'être suffisamment représenté en tant qu'acteur de société civile, représentant les communautés vulnérables au sein de ces comités de rédaction de la conceptuelle. Donc, nous, la prise de fonds qui ont été fournis par la société civile de la Côte d'Ivoire, et nous espérons seulement que pour la suite du processus s'est déroulé dans les bonnes conditions. Et surtout, un aspect très important que vous avez relevé, cher Gisèle,
c'est la présence et l'importance d'avoir un point focal au sein des programmes qui puissent vous donner la bonne information. Car les programmes ont eu à faire les chronogrammes, aussi bien du CSM que des programmes, ont pu ont évolué au fur et à mesure que le temps passait dans la mise en œuvre du plan d'action défini pour la relation conceptuelle. Il est important qu'on puisse avoir des personnes au sein de ces programmes qui puissent vous donner la bonne information. Donc, nous vous remercions pour ces éléments. On va sans plus tarder passer la parole à Pasteur Premier Claude pour la même question. Pasteur Premier Claude, nous aimerons savoir, s'il vous plaît, pour ouvrir votre micro, OK. Quels sont les challenges que vous avez eu à rencontrer, vous, en tant qu'acteur de la société civile d'une grande plateforme, la plus grande plateforme d'organisation des droits de paludisme du côté du Congo-Brazzaville? Quels sont les challenges que vous avez eu à rencontrer durant le processus du CCV, où votre pays est également soumis à nos conceptuels en date du 20 mars? Nous vous écoutons en partie première Claude. Merci. Merci, Papa Fidèle. J'espère que nous remercions vraiment infiniment CESE Formé pour tout ce que CESE Formé est en train de faire en faveur des communautés. En ce qui concerne notre pays, nous nous sommes retrouvés dans une situation où il fallait jouer le parallélisme de forme, c'est-à-dire que nous avions les PSN qui étaient arrivés à leur terme, et c'est à la même période qu'il fallait rédiger les projets. Et nous avons pour cela sollicité des financements auprès de deux grandes structures qui sont le CERG et CESE Formé. Le CERG nous a permis, avec son financement, dans le processus de rédaction, ça nous a aussi permis de faire un plan de plaidoyer en ce qui concerne la plateforme des ONG de lutte contre le paludisme. C'est ce qui nous a permis, avec CESE Formé, qui nous a financé la participation, parce que normalement dans notre pays, les financements sont pas importants. Alors, CESE Formé nous a financé la participation des responsables de la poêle au niveau de la rédaction du projet Fonds mondial. Alors, comme notre projet, c'est un projet de reconduction, il fallait effectivement avoir l'approbation des communautés dans les départements. C'est ce que nous avons fait, nous sommes descendus dans les départements. Relever les points de vue des communautés en assurant effectivement la prise en charge des besoins prioritaires des communautés affectées dans la lutte contre le paludisme. Et ce qui nous a permis de renforcer l'implication de notre plateforme dans l'élaboration depuis le dialogue pays jusqu'à la rédaction finale de la monture qui est partie au Fonds mondial. Alors, les défis, c'est que nous avons eu à enlever ce qui ne tenait pas dans le NFM3, de garder les activités tout à fait positives du NFM3 et d'ajouter les activités innovantes. Et ce qui est important, c'est que avec ce que nous avons rédigé à nos BP, qui sont des BP internationaux, nous avons demandé un plan de transfert de compétences, parce que l'objectif des structures nationales, c'est de devenir bénéficiaire principal. Que ce soit au niveau institutionnel, c'est le PNLP que nous proposons de devenir bénéficiaire principal institutionnel, et au niveau des ONG, il faut qu'il y ait une ONG nationale qui puisse devenir bénéficiaire principal, bien sûr sous l'effet
d'appel à candidature et l'ONG qui remplira les conditions pourra devenir bénéficiaire principal. C'est ce qui est important et le travail a été fait avec la participation des leaders des sociétés civiles, que ce soit au niveau du PALU, au niveau du VIH, au niveau de la tuberculose. Vraiment, il y a eu une participation importante et effective des leaders de la société civile. Voilà, en bref, les défis que nous avons remontés, relevés dans ce qui a été la rédaction de cette proposition, Papa Fidèle. Merci beaucoup, Pasteur Premier Claude. Comme d'habitude, nous avons pu compter sur la pleine participation de la société civile, le paludisme du Congo-Brazzaville, pour une implication de qualité et une contribution de grande valeur dans l'élaboration conceptuelle. Et nous apprécions le fait que vous avez pu soulever la demande adressée au Forum mondial où il faudrait faire des organisations locales qui prennent vraiment le lead en tant que principaux récipiendaires pour les subventions à venir. C'est une très belle opportunité car nous estimons que nous avons déjà suffisamment de compétences et pour ceux qui n'ont pas suffisamment de compétences, il est de notre devoir de demander au Forum mondial de demander à ceux qui ont assuré le rôle de principaux récipiendaires depuis fort longtemps de pouvoir transférer les compétences nécessaires à ceux qui sont au niveau local afin qu'elles aussi à leur tour puissent demain devenir des principaux récipiendaires. Tout le monde commence par être des récipiendaires, des faux récipiendaires pour mettre en œuvre la société contre le paludisme. Donc, nous apprécions les pasteurs premiers, Claude, et nous espérons que cela va pouvoir édifier de plus en plus la société civile africaine et pourquoi pas mondiale pour tous les pays où nous ne bénéficions pas encore de sous-récipiendaires ou de pro-récipiendaires issus des organisations locales. Cela va booster cette motivation-là afin qu'on puisse avoir de plus en plus de récipiendaires locaux. Merci beaucoup, Pasteur Premier. On va passer la parole rapidement au Dr. Hachem Daya pour la même question. Et Dr. Hachem Daya, vous avez à vous la question. Quels sont les principaux challenges qu'ont rencontrés par la société civile en RDC, principalement dans le cadre de la lutte contre le paludisme et surtout lors du processus d'ICC7 où votre pays également a soumis un autre conceptuel à la date du 20 mars. Donc, à vous la parole, Dr. Hachem Daya. Merci beaucoup pour la parole. En fait, par rapport à la RDC, les défis auxquels nous étions butés en ce qui concerne les jeux C7, paludisme, les premiers, c'était d'abord le moyen nécessaire pour participer. C'est dans ce cadre-là qu'on tient à remercier CES Forming pour son apport qui a été d'une grande importance. La mobilisation de fonds, les fonds qui ont permis à ce que les OSC, les OSC en RDC puissent participer. Et le deuxième défi, c'était de connaître les calendriers du 6e, les calendriers établis par le 6e et aussi l'organisation logistique, comment ça devait se passer. Et il faudrait signaler que c'est pas le fait d'avoir quelqu'un de sûr au niveau du programme, ça nous a permis d'avoir aussi beaucoup d'informations par rapport au GC7, au processus au niveau du programme et aussi au niveau du CCM. Quand nous avons eu ces informations, il faudrait signaler que le processus était déjà déclenché, le dialogue pays était déjà en cours et pendant que nous étions en réunion préparatoire avec les OSC que nous avons ciblés, parce que il fallait nécessairement qu'on se prépare, qu'on voit comment on allait s'y prendre par rapport au processus de PALU GC7 du Fonds mondial. Et séance tenante, nous avons dû contacter encore le CCM pour nous rassurer du début de l'écriture PALU, parce que PALU a commencé en premier.
Et c'est à ce moment-là qu'on a su que l'écriture commençait la veille, donc le jour suivant. Et nous, on a appelé à la veille. Et ce qui nous a aidé à surmonter ces défis, c'est la souplesse d'esprit et l'esprit d'équipe, la synergie entre nous en relation de la société civile. Comme je l'ai dit, il y avait de ce côté le dialogue pays qui était déjà en cours et on a dû déployer une équipe pour rejoindre les autres collègues qui étaient déjà en province pour aller dans les deux provinces que nous avions choisies dans le compte de CIS Fomi avec l'appui CIS Fomi. Et ce qui a fait qu'au total, sur 26 provinces, il y a eu 19 provinces qui ont été contactées ou concertées, qui ont fait partie du dialogue au nouveau pays. Et la première semaine, il faudra signaler que c'était la semaine de la planification, de la finalisation du PCN PALU. Et pour nous, c'était une opportunité. Et nous avons participé à l'écriture, à la finalisation du PCN PALU. Et pendant qu'on finalisait l'écriture du PCN PALU, les autres étaient en train de revenir de province avec les éléments, le besoin du dialogue. Et il y a eu les dialogues pays, donc la rencontre pour la priorisation de besoins pour le 3 maladies. Et les jours suivants, nous avons tenu la réunion de concertation avec les OSC PALU pour prioriser cette fois-ci les activités PALU qu'il fallait déverser dans la subvention, dans la note conceptuelle PALUdis. Et ce qui a été fait parce que la semaine qui suivait, c'était l'écriture proprement dite de la subvention PALU. Et voilà un peu comment nous avons pu surmonter les défis et participer efficacement à l'écriture de la note conceptuelle. Ok, merci. On aborde la... Bravo à tous, merci aux organisations de la société civile qui nous ont partagé leur riche expérience depuis la RDC jusqu'à la Côte d'Ivoire et merci vraiment pour tout le Nigeria avec la grande expérience de Akoumim et le Congo-Brazza. Donc merci pour vos expériences sur les leçons apprises du GC7. Vous aurez l'occasion d'écouter en fait tout le panel parce qu'il y a eu plein de belles choses qui ont été dites. Donc, on va envoyer la vidéo résumée de tout cet excellent panel. Et nous sommes très ravis de vous avoir avec nous. Et maintenant, nous allons aborder la fin. Nous sommes à la fin de notre forum, Annual Forum CS for Me. Et nous allons rapidement introduit donc Docteur Maxime, qui est la représentante de la société civile pour le Forum mondial dans la région du Rail, de la Artesimid Initiative Regional Steering Committee, et qui fait partie du Steering Committee de cette région-là en Asie. Et nous sommes très heureux d'avoir Docteur Maxime avec nous, qui va clôturer ce forum. Nous espérons que les échanges ont été fructueux, que vous avez pu noter des bonnes expériences à utiliser dans la mise en œuvre des programmes de lutte contre le paludisme. Et nous espérons que vous allez continuer à être très engagés dans cette lutte et qu'ensemble, nous allons continuer à renforcer le rôle essentiel que la société civile doit jouer dans la lutte contre le paludisme. Merci à toutes les organisations de la société civile qui font partie de la plateforme CS4Me et qui sont très engagées. Merci à tous nos partenaires qui nous ont soutenus, tous les speakers qui ont pris le temps de nous faire cette belle présentation, tous les panélistes, tous les speakers. Merci à tous les partenaires. Ça nous a fait très plaisir de vous avoir. Et pour tout le monde, nous allons envoyer, comme on a dit, les présentations, les vidéos de ce forum seront envoyées par email à tout le monde et seront sur la page YouTube que vous allez recevoir par email et vous aurez l'occasion d'avoir accès à toutes ces informations qui sont clés.
Donc, merci à tous les partenaires qui ont pris le temps d'être avec nous aujourd'hui et à tous les participants qui sont restés avec nous pendant cette longue période, presque 4 heures de temps. Donc, merci et nous sommes désolés pour la longueur du forum, mais il y avait tellement de belles choses à dire que c'était difficile à délimiter en fait les différentes sessions. Donc, merci à tout le monde et on va écouter Dr. Maxime pour le mot de la fin. Thank you. Hello, I'm Maxine Whittaker. Drug-resistant malaria ceases to be a problem when there is no malaria. Unfortunately, resistance against antimalarials is inevitable, a pattern seen for all antimalarials, most recently the ACT. WHO recommends ACTs for the treatment of uncomplicated malaria, and they've been an integral part of the successes of global malaria control seen in the last 20 years. Protecting the efficacy of medicine is a global public health priority. Of action seekers is to innovate, to have a robust antimalarial drug pipeline with novel modes of action until global malaria eradication is achieved. But we can't wait for that. We need to resource and seriously implement prevention, test and treat, surveillance as an intervention, vector control strategies in context as recommended by the strategy. And to ensure the effectiveness of all of these interventions, we need a strong health system to reach everybody, everywhere, and inclusively, strong community engagement in and ownership of the malaria control, adequate and sustained financing for investors, and political commitment to translate action. And all of this working collaboratively in partnerships across communities and countries. It can work. In the Greater Mekong subregion, where I work with the malaria-free Mekong CSO platform, cases of P. falciparum have reduced down. By the end of 2022, there are now only 263 cases in only two districts. Vietnam, 496 cases in Laos and only 397 cases in Cambodia. And P. vivax is now the most dominant malaria, but it's also reducing in these three countries. The recent therapeutic efficacy studies in these three countries, 2022, shows high efficacy of the present ACT. Globally, overall, first and second line ACTs remain effective in curing P. falciparum malaria. In Africa, the continent carrying the heaviest malaria burden globally, the overall average efficacy rates for the three most commonly used ACTs are consistently high, over 98% in the decade 2010-2020. But let's not be complacent. Findings from Rwanda and Guyana are concerning, as the molecular markers associated with partial ARVs are present. Although ACTs remain effective in these countries, these strains have emerged independently in them and are a threat. In the last 2 years, the Asia Pacific region has shown the fragility of gains made in malaria programs. The present situation in Myanmar has resulted in major increases in malaria cases in Myanmar and in the bordering Thailand. And once in Pakistan have resulted in major increases in malaria. As I said in the opening, drug-resistant malaria ceases to be a threat to malaria. But for the elimination and then global eradication, we need to develop zero malaria through investment,
implementation, innovation, being informed of the threats to these gains, and inclusiveness. Thank you. Merci. Merci à tous les speakers. Merci à Jane. Bravo. Merci à tous. Merci.